Il y a trois épices qui vous font perdre des centimètres autour de votre taille, qui vous font perdre des kilos. Je vous les donne tout de suite, ces trois épices absolument géniales. Il y a des études qui viennent de paraître et je vous les livre tout de suite. Je suis Jean-Marie Duternin, je suis expert en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie et à perdre du poids et des centimètres. Et en parlant de centimètres, laissez-moi votre email ci-dessous ou allez sur le site vieaugmenter.com et laissez-moi votre email là-bas et vous allez recevoir une invitation à un séminaire, un webinaire live en direct où je vous livre le code MFLEX. Ce code MFLEX, c'est le code qui ouvre le coffre-fort où vous avez stocké votre graisse qui est maintenant inaccessible. Votre corps a perdu le code. Je vous le redonne. Je vous livrerai le code MFLEX pendant ce webinaire qui va vous permettre de perdre des centimètres autour de taille. Trois tailles en trois mois, 10 cm en 10 semaines. Je vous invite à laisser votre email et vous serez parmi les Happy Few qui auront accès à ce code MFLEX. En attendant, je vous donne trois épices que vous pouvez commencer à utiliser dans votre cuisine de tous les jours qui aident, dont des études viennent de sortir, qui montrent un certain nombre de bénéfices absolument extraordinaires pour perdre du poids et perdre des centimètres. Alors, ce sont surtout des centimètres de graisse brune. Ça ne compense pas de trouver le code MFLEX, mais ça va déjà vous aider à démarrer ce qu'on appelle l'autophagie, et ces trois épices stimulent l'autophagie via un certain nombre de systèmes biochimiques dans votre corps. Alors, cette première épice, c'est le gingembre. Le gingembre, il a trois composés, dont la gingérone, dont... c'est des composés, donc des noms compliqués. Je ne vais pas vous faire un cours de biochimie, mais on a montré que ces trois composés, de façon complètement différente, ce gingembre, c'est absolument génial, finalement stimule l'autophagie. Et l'autophagie, c'est ce système de votre corps où il s'occupe de détruire les débris. Il fait une espèce de nettoyage de votre corps. Il vous enlève les cellules sénescentes, tout ce que votre corps utilise et n'utilise plus, mais qui reste là. En fait, c'est un système de nettoyage. Alors, ce système de nettoyage est absolument génial. Donc ça va vous faire perdre déjà, donc ça pèse. Mais surtout, les composés du gingembre accélèrent ce qu'on appelle la lipolyse, donc la transformation de graisse en énergie. Donc quelque part, si vous stimulez la lipolyse, donc vous allez changer de métabolisme et transformer cette graisse que vous avez stockée en énergie. Voilà, donc je trouve que la combinaison de la stimulation d'autophagie et de lipolyse, des trois ingrédients du gingembre, en font en fait une espèce d'épice maître de la longévité. Donc, alors le gingembre, moi je le mange de deux façons. Trois. La première, la plus importante, je le mets dans mon jus quotidien. J'ai un juicer, une espèce de machine qui, avec une vis sans fin, tout doucement, extrait le jus de mes légumes. Donc je le mets, j'en coupe un petit dé, hein, c'est 2 cm de hauteur, 1 cm de diamètre. Je pèle, j'achète du gingembre bio, j'enlève la peau et je le passe dans ce juicer. Et bon, là-dedans aussi, il y a c'est composé de jus de céleri. Hein. J'ai fait plein de vidéos sur les jus qui sont les jus de la longévité. Hein. Céleri, concombre, tomate, surtout du persil, etc. Carottes, bien sûr. Et donc, je mets un tout petit peu de gingembre tous les jours. C'est absolument extraordinaire. La deuxième chose, le gingembre aussi, vous pouvez le râper et le mettre dans vos plats. Donc, ceux qui adorent un peu de gingembre, un peu cette culture asiatique, quand on fait des wok, on met du gingembre dedans. Bon, ça, c'est... Il n'y en a pas beaucoup, donc je le mentionne juste. Utiliser le gingembre pour épicer vos plats. Mais ça, c'était le petit bonus. Mais la vraie deuxième façon d'en manger, moi je l'achète confit, sans
pas rose, parce que quand il est rose, ça montre qu'il y a eu des conservateurs. Je l'achète confit, mais blanc. Donc je trouve des pots blancs, je regarde l'étiquette, pas de conservateur, pas de truc. Et donc, quand on mange des sushis, pas de saumon, pas de thon, mais de saumon sauvage, ou alors, j'achète de temps en temps, je parle souvent de mon trio infernal de poisson oméga 3, hein, sardine, maquereau, anchois, mais il y a d'autres poissons qu'on peut acheter, des poissons non pas d'élevage, mais pêchés, hein, on appelle ça des poissons de ligne, c'est un peu plus cher, mais j'achète des bars, ou alors des petits cabillauds, hein, des bébés cabillauds, parce que bon, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de métaux lourds dedans, et voilà, j'ai d'autres solutions pour enlever les métaux lourds, hein, via sauna infrarouge, et je prends des algues qui chélatent les métaux lourds. L'algue, surtout la laminaria japonica. Voilà. Donc la chose importante au niveau du gingembre, moi je fais des sushis, donc on coupe des fines lamelles, hein, vous connaissez bien le sushi, je ne mets pas de riz, donc en fait ça devient un sashimi, donc le sushi sans riz c'est du sashimi, et on trempe ça dans du soja où il n'y a pas trop de sucre, pas trop de un soja avec la tête verte, pas le rouge, il a un peu moins de sel, avec un peu de wasabi, aussi une épice extraordinaire, et on trempe ça dedans, et on combine ça avec gingembre et sushi de poisson blanc, là, c'est absolument divin. Divin. J'adore. Donc voilà comment je mange le gingembre. Voilà, petite digression sur une petite recette de sushi, de sashimi. La deuxième épice absolument géniale, qui fait aussi à peu près la même chose que fait le gingembre, mais d'une façon encore différente, c'est le curcuma. Alors le curcuma, vous pouvez l'acheter aussi, hein. Donc de temps en temps, j'achète du curcuma bio quand j'en trouve. La racine est un peu plus petite, elle est orange. Vous la pelez et vous la mettez aussi dans votre jus. Voilà. Ça donne un petit goût bien épicé. Mais moi, le curcuma, je le prends sous forme liposomée. Je l'achète dans une fiole quand il est mis avec du resveratrol. Donc curcuma, resveratrol ensemble, sous forme liposomée. Liposomée, ça veut dire qu'il est entouré de graisse et qu'il est très biodisponible. Parce que la curcumine n'est pas très biodisponible. Et donc c'est toujours un peu difficile. Là, on dit qu'il faut rajouter du poivre noir, etc. Moi, la forme liposomée, moi, me convient très bien. Et donc, je l'ajoute dans le jus. Parce que c'est... Bon, elle n'a pas mauvais goût, mais bon, c'est quand même un goût un peu difficile. Donc, moi, je mets 3 ml dans mon jus à midi, 2 curcuma resveratrol liposomé. Je ne vous parle pas du resveratrol aujourd'hui, qui a d'autres bénéfices aussi au niveau longévité extraordinaire. Mais donc, voilà, le curcuma vous aide aussi au niveau de l'autophagie. Et ça améliore l'efficacité de l'autophagie. Voilà. La troisième épice absolument géniale, c'est la cannelle. J'en parle relativement souvent. La cannelle a beaucoup de qualités. Il ne faut pas en prendre trop non plus, parce que ça, il peut y avoir aussi certains effets secondaires pas bons. Mais la cannelle, vous l'achetez, hein, c'est la poudre de cannelle. Vous la mettez dans votre thé ou dans votre café ou ce que vous avez envie, ou dans vos plats. La cannelle, c'est absolument génial. Il faut surtout la prendre vers la fin de votre jeûne, parce qu'elle a des effets au niveau du métabolisme de vos sucres, de l'insuline surtout. Ça mimique un peu l'insuline, et donc votre corps a besoin de moins d'insuline quand vous recommencez à manger, et donc vous allez avoir moins ce pic insulinique qui est si détrimental au niveau de votre santé. Alors on essaie d'éviter les pics glycémiques qui sont liés à l'insuline, parce que l'insuline finalement est une hormone qui aide à transformer le sucre et à être utilisée à l'intérieur de vos cellules, à rentrer dans vos cellules, mais c'est une hormone aussi qui est très délétère, hein, si vous avez trop d'insuline dans votre sang, vous risquez quand même pas mal d'effets secondaires négatifs. Et la cannelle, en fait, en mimiquant un peu ça, cet effet, aide à garder votre glycémie un bon niveau. Voilà. Donc, je répète, le meilleur, c'est le gingembre. Le deuxième, le curcuma, sous forme curcumine, liposomée. Troisième, la cannelle. Alors,
pouvez aussi trouver des gélules de cannelle hein, si vous avez envie. Mais moi, nous, on utilise la cannelle pour mettre dans les sauces, pour, ça donne un petit goût. Ou alors, mettez-la dans votre thé ou votre café, un petit peu de cannelle dans le café, hein, c'est très très bon, c'est délicieux. Ou dans votre thé, c'est absolument génial. Donc, voilà trois épices qu'il faut retenir et qui sont absolument géniales dans le cadre de votre quête pour perdre des centimètres autour de votre taille. Je rappelle, je vais faire un webinaire live très bientôt. Laissez-moi votre courriel ici sur cette vidéo en dessous dans la description ou sur le site bioaugmenté.com et je vous donnerai, je vous livrerai le code MFLEX qui sert à ouvrir le coffre-fort où se trouve votre graisse qui se trouve autour de la taille pour le libérer. Voilà. Si vous voulez avoir ce code MFLEX, rendez-vous à mon webinaire live très bientôt. Donc, vous aurez tout. Et pour ceux qui ne pourront pas venir, bien sûr, j'enverrai par courriel le replay. Comme ça, vous aurez accès quand vous en avez envie pour savoir quel est ce code MFLEX, comment l'utiliser et comment le taper. Il y a une façon de le faire. Il y a toute une procédure que je vais vous livrer. Je vous dis à très bientôt. Laissez-moi vos commentaires. Namasté.